fini d'examiner les passagers. Personne n'est infecté, fiévreux ou blessé. Ils sont tous bien vivants. Et toi, ta famille est à Tokyo, n'est-ce pas? Oui, mais personne ne répond au téléphone. Tour de contrôle de Sokonosu. Ici vol JX-089. Nous sommes prêts à décoller. Vol JX-089, ici tour de contrôle de Sokonosu. Restez sur la piste 3-4. Nous avons un problème. Burke, quel sale sourire. C'est un acteur, lui. Il est venu à Tokosonu pour un tournage. Il est à 450 mètres, à un angle inférieur à 6. Il n'y a quasiment pas de vent. Aucune correction nécessaire. Permission de tirer accordée, Rika. Joli travail. Je vous confirme que toutes les cibles de la piste ont été éliminées. Terminé. Oh. Qu'est-ce que tu fais, ça va? J'ai des fourmis au torse à force d'être dans cette position. J'ai besoin de me masser un peu. Oh. Je peux te filer un petit coup de main, si tu veux. Si tu étais meilleur tireur que moi, je ne dirais pas non. Meilleur que toi? Mais t'es dans le top 5 national. Je sais que j'ai aucune chance. Alors laisse aussi tomber le massage. Comment ces zombies ont-ils pu arriver ici? Cet aéroport est sur une île isolée. On les a laissés passer ou quoi? Certains ont dû être infectés avant d'embarquer. L'accès était réservé aux VIP, aux techniciens de l'aéroport et à leurs familles. D'autres cas vont peut-être se déclarer. Je ne sais pas. Tu te rends compte? Si nous n'avions pas été affectés ici pour une mission antiterroriste, que serait-il arrivé? Et le problème, c'est que nous n'avons pas un stock de munitions illimité. Tu envisages de fuir? Non. Pas encore. Dès que ce sera possible, j'irai en ville. T'as ton petit copain là-bas? Non, une amie. Soyons unis. Eh oui, au lieu d'agir chacun de notre côté, nous devons trouver ensemble un endroit où nous réfugier. Même chose en ce qui concerne nos familles. C'est seulement lorsque nous serons un groupe discipliné que nous pourrons les rechercher. Rester ensemble et favoriser l'unité du groupe est primordial, compris? Et ce serait valable pour chacun d'entre nous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
J'étais en train de réfléchir. Comment peux-tu dormir? Oh, mais tu baves, tu baves! Ah. Oui, pardon. Vu la situation, tout le monde cherche à fuir la ville. Il y en a qui ont trouvé un moyen plus direct. Regarde là-haut. Ah oui, en avion. Où vont-ils? Comme toutes les zones urbaines sont devenues beaucoup trop dangereuses, les autorités doivent être en train d'essayer de trouver des endroits où nous évacuer. À mon avis, le plus logique est d'envoyer les gens vers des îles ou des zones armées isolées. Okinawa, par exemple. Oui, mais les forces américaines qui sont là-bas ne sont pas des forces militaires. Il y a peut-être l'armée d'autodéfense. S'ils ont bien analysé la situation, ils doivent certainement envoyer les gens au Kaido ou encore à Kyushu, j'imagine. Oui, je suis quasiment persuadée que c'est ça. Les avions doivent tous aller vers ces zones-là. Est-ce que tu penses qu'on devrait aller là-bas, nous aussi? Non, on y arriverait trop tard. Même en imaginant que les forces militaires japonaises et américaines parviennent à garder le contrôle sur ces zones, il doit être extrêmement difficile d'y être accepté. Et ce que je crains, c'est que ce soit bientôt le cas dans le monde entier. Faut dire, quand on sait que faire entrer quelqu'un, c'est aussi prendre le risque d'être contaminé, on peut comprendre. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Moi, je m'isolerais complètement. Et est-ce que tu as conscience de ce qui risque d'arriver si le monde entier réagit comme ça? Qu'allons-nous devenir si les États choisissent de limiter leur population au nombre minimum d'individus nécessaires à la survie de l'espèce? Tu m'impressionnes beaucoup, Saya. Tes réflexions sont vraiment brillantes. Arrête de dire des bêtises. Il y en a déjà un qui s'en charge là-derrière. Bien que je me demande s'il se rend vraiment compte de ce qu'il dit. Faut dire aussi que tout ça est arrivé tellement vite. Est-ce une raison pour le laisser faire? Il vaut mieux utiliser notre énergie à trouver le moyen d'échapper à tout ça et de survivre. Et de savoir en qui on peut avoir confiance. Si Takashi était là, je pourrais lui demander son avis. Reconnais-le, tu es amoureuse de Takashi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que... Mais ne dis pas n'importe quoi! Oh. Qu'y a-t-il? Je pense aux autres. Je m'inquiète beaucoup pour eux. J'espère que nous arriverons à les rejoindre. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vais tous vous crever! On se croirait en pleine guerre. C'est l'anarchie totale. C'est peut-être encore pire que la guerre. C'est trop dangereux de rester ici. Faut vite se tailler. Là-bas! Ouais! Accroche-toi, ça va secouer! Comme nous tous, d'ailleurs. Oui, comme nous tous, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a? Il fallait aller tout droit sur le pont! Oui, eh bien, regarde. Il est bloqué. Oh! Je ne vois pas comment on pourrait le traverser. Qu'est-ce qu'on fait? Allons au pont Onbetsu pour rejoindre le prof et les autres. Vol!
La gravité de la situation est telle que le moment est venu pour chacun de nous de défendre l'honneur et la fierté du lycée Fujimi. C'est au nom de la fierté de notre école que je déclare que Takashi Komuro et Rei Miyamoto ne font plus partie des nôtres, s'étant désolidarisés du groupe en quittant le minibus. Alors que nous devons rester unis pour survivre. Il me donne la chair de poule. Nous devons oui, toujours à moi aussi. Garder en mémoire que à sa façon de parler, il ressemble fort à un recruteur de secte. Ah oui, monsieur. C'est exactement ce qu'il est d'ailleurs, une sorte de gourou. Regardez ceux qui l'écoutent. Nous assistons à la naissance du culte de Koichi Shido. Si c'est pas malheureux. Vu les conditions de circulation, nous allons bientôt devoir abandonner le minibus. Il faudrait que nous arrivions à traverser le pont Onbetsu pour aller vers l'est et rejoindre Takashi comme promis. J'ai l'impression que tu t'inquiètes beaucoup pour Takashi, non? Qu'en est-il de ta famille? Tu ne t'inquiètes pas pour elle? Bien sûr que si. Il ne me reste que mon père et il se trouve dans un dojo à l'étranger. C'est la raison pour laquelle, actuellement, seule la promesse que j'ai faite à Takashi compte vraiment à mes yeux. C'est ce qu'il me reste, tu comprends? Et ça, je le tiens de mon père. Il m'a appris à toujours tenir mes promesses, même au péril de ma propre vie, s'il le faut. Au fait, où habitent vos familles? Mes parents habitent après le pont Onbetsu, comme ceux de Takashi. Et les miens ne sont pas vraiment dans le voisinage. Mais, quoi qu'il en soit, c'est avec Saya que je veux rester. Peut-être, mais au fait, tu nous as pas dit où habitait ta famille, Kota? Mon père est à Amsterdam. Il est bijoutier et gère quasiment toutes ses affaires de là-bas. Quant à ma mère, elle est styliste de mode et elle vit quasiment toute l'année à Paris. Pas vraiment comme une famille japonaise traditionnelle, hein? Pour coller un peu plus au style manga, ton père aurait plutôt dû être capitaine de bateau, tu ne crois pas? Ah, mais justement, ça c'était mon grand-père. Et vous allez rire, ma grand-mère était violoniste. M'énerve. Alors, que faisons-nous? Personnellement, je préférerais rester avec vous. Vous êtes sûre? Je n'ai plus de parents et le reste de ma famille vit loin d'ici, alors je préfère être avec vous. Et puis, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais j'avoue que je n'apprécie pas beaucoup le professeur Shido. Que faisons-nous alors? Moi, je ne connais pas bien ce coin. Nous pouvons déjà aller voir comment ça se passe du côté du pont Onbetsu. Que vous arrive-t-il? Nous devons rester ensemble. Eh bien, désolé de vous dire que nous refusons, monsieur Shido. Nous avons une façon assez différente de la vôtre de voir les choses. Nous ne sommes pas en voyage scolaire, donc nous n'avons aucune obligation de vous suivre. Ah. Eh bien, si telle est votre décision, allez-y, partez, mademoiselle Takagi. Je vous en prie. C'est votre droit le plus strict, après tout. Le Japon est le pays de la liberté, n'est-ce pas? En revanche... Vous ne pouvez pas partir, mademoiselle Marikawa. Ah ? Vous comprenez que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre infirmière. Vous qui avez un sens aigu du devoir, vous devez bien avoir conscience que c'est ici que les élèves ont et auront besoin de vous. Oh ! Hirano, que faites-vous ? Je ne vous ai pas manqué. J'ai fait exprès de vous rater. Voyons, reprenez vos esprits, vous n'êtes pas un meurtrier. C'est ce que vous dites, mais combien d'élèves ai-je déjà tué au lycée, d'après vous? Alors maintenant, pourquoi pas vous? Vous qui vous êtes toujours moqué de moi! Tout le monde se moquait de moi! Mais j'ai tenu bon. J'ai toujours tenu. Je voulais vivre normalement, alors... J'ai pris sur moi, j'ai encaissé. Et je n'ai plus besoin de tenir, maintenant! Car être normal ne veut plus rien dire. C'est pour ça que je peux tuer. Tuer des zombies, mais aussi des êtres vivants. Non, monsieur Hirano, il ne faudrait pas vous tromper de cible. Allez, Saiko, descends. Descendez après elle, vous autres. Vite, la voie est libre, je vous couvre. Tu es un homme, Kota. Un vrai.
allons-nous faire? Ici aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut essayer de rejoindre un autre pont? C'est inutile. Si ces deux-là sont bloqués, c'est que les autres doivent l'être aussi. Sinon, toutes ces mesures ne serviraient à rien. Tu as raison. Il faut absolument traverser le pont Onbetsu pour rejoindre le commissariat Est avant 19h. Mais comment? Comment faire? Je suis en train d'y réfléchir. Si au moins il était là. Ne dis pas ça! Ça ne sert à rien. Oh, des coups de feu! Non, écoute, je ne crois pas. Oh, nous aurions peut-être dû... Oh, rester dans le bus avec Monsieur Shido, non? Ah oui. Je croyais que vous ne l'aimiez pas et que vous préfériez venir avec nous. Oui, tu as raison, mais je dois avouer que je n'aime pas trop marcher. C'est fatigant. Saiko, ça craint! J'ai bientôt plus de munitions! Je peux te prêter mon sabre si tu veux. Je suis vraiment mauvais dans le maniement de ces armes! Très bien, alors dans ce cas... je continuerai seul à me battre. Mais qu'est-ce que tu fais? Takashi! Qu'on en a fini ici. Ils étaient drôlement coriaces. Peut-être, mais c'est pas vous qui les avez combattus. Mademoiselle! Oh! Ah! Aïe, quelle incidence! Coïncidence, plutôt. Takashi, toi aussi? Le pont Tokunosu était bloqué, lui aussi? Oui, nous sommes bloqués. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que tu sois sain et sauf. Et moi, ravie que tu le sois aussi. Bah, et moi alors? Bien sûr, Sayak, je suis content que tu ailles bien. Pareil pour toi, Kata. Takashi! Non mais je rêve! Où tu l'as eu? Où t'as eu ça? Et les balles en plus! C'est un Smith & Wesson M36. On en parle plus tard, ok? Police, non! Une variante spéciale du M36! Comme toutes les routes étaient bloquées, nous avons quitté le bus. Mais je ne vois pas comment on va traverser le fleuve. Le niveau de l'eau monte. On ne peut donc pas remonter en amont. Qu'est-ce qu'on fait, alors? Je pense que nous en avons eu assez pour aujourd'hui et qu'il faut nous reposer. Nous devrions rester là. Comment ça, rester là? Enfin, pas ici. J'ai une adresse où l'on peut loger. Ce n'est pas loin du tout, nous pouvons y aller. C'est l'appart de votre petite amie? Oh, pas du tout! Non, c'est juste l'appartement d'une très bonne amie à moi! Mais elle a un travail très prenant et il lui arrive souvent de ne pas rentrer chez elle. Alors j'y occupe une chambre, comme ça j'entretiens aussi l'appartement. Y a-t-il une belle vue? Est-ce qu'on voit bien la ville depuis ses fenêtres? Oh oui! C'est un très bel endroit juste au bord du fleuve. Elle a aussi un parking juste à côté. Oh, vous verrez sa voiture! Elle est énorme, c'est impressionnant! C'est un véritable tank! Elle est grande comme ça au moins! C'est vrai que du repos nous ferait du bien, je suis fatiguée. Et j'aimerais bien prendre une douche tant qu'il y a encore du courant. Ah oui, tu serais si belle sous la douche! Oh, espèce de pervers! Je vais aller vérifier l'endroit avec vous. Montez, mademoiselle Marikawa. Oh, d'accord. Oh! Comme c'est agréable!
Mademoiselle, vous n'avez pas besoin de me serrer si fort, vous savez. Qu'est-ce que tu dis, Takashi? Je n'entends rien du tout. Je disais que ce n'était pas la peine. Non, vraiment, je n'entends rien. De serrer si fort. Rien du tout, vraiment rien du tout. Je disais juste... Votre ami pour avoir un truc pareil. Regardez ça, ils ne pourront pas passer cette grille. On va pouvoir dormir tranquille au moins. Bon, dépêchons-nous d'entrer. Takashi, j'ai ça. Est-ce que ça te suffira? Oui, largement. Attention, recule. Allez, et surtout prenons soin de nous couvrir mutuellement. Allons-y! Cette situation était absolument terrifiante. À ce moment-là, il ne s'agissait plus de fuir, mais de se mettre à l'abri. Pour cela, il a fallu passer à l'attaque et aucun d'entre nous n'a hésité. Pas même une seconde. En un jour, un seul jour, nous avions tellement changé. Bientôt prêt. Elle continue de jouer la grande sœur. Espèce d'obsédé. Je ne vais pas pouvoir tenir.